temps on a quitté la douce terre natale. On nous a déracinés pour vivre à la capitale. Et personne en ce temps-là n'a bougé pour nous défendre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est parti sans comprendre. Ça nous a pris des années pour trouver un domicile, nouer d'autres amitiés n'est pas toujours très facile. De temps en temps, il est vrai, on retournait au village, mais bien des choses changeaient, on n'était plus à la page. Les amis du temps passé, nos camarades d'enfance, avaient fait de leur côté leur chemin, leur existence. La plupart avaient déjà des fils en adolescence qui se demandaient pourquoi on venait là en vacances. Les années ont défilé et à force d'habitude, on finit par accepter l'implacable certitude que nous n'irons jamais plus de façon définitive au pays qu'on avait cru être notre seule rive. On nous a déracinés, reconnaissant l'évidence. Nous sommes des étrangers au pays de notre enfance. Nous n'avons pas de clocher, nous n'avons pas de village. Ceux qui partent sont privés du plus beau des héritages. À 20 ans, on a quitté la douce terre natale. On nous a déracinés pour vivre à la capitale. Et personne en ce temps-là n'a bougé pour nous défendre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est parti sans comprendre.